Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la chaîne Normande. Dans votre émission, l'invité du jour aujourd'hui, c'est pas commun, notre invité c'est un animal, un oiseau, le pic noir normand. On va parler de lui parce qu'il fait l'objet d'une exposition et d'un film. On va vous parler de tout ça avec mes trois invités que je vous présente. Alors on a François Dugast, vous êtes donc à l'Office National des Forêts, responsable de l'environnement sur l'Eure et la Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Accompagné juste en face donc de Richard Grège, vous êtes de la LPO, donc Agir pour la biodiversité en Normandie, donc on peut dire la protection des animaux, la protection des oiseaux tout en particulier. Et puis Gérard Pontigny, donc on avait déjà eu l'occasion de vous recevoir pour un autre film. On vous reçoit aujourd'hui pour ce film sur le pic noir normand que vous avez réalisé. Vous êtes aussi donc le président de l'association Scénario Éthique ETOC. Et donc vous allez nous présenter ce film qui sera diffusé juste après cette émission. Gérard, pourquoi vous avez souhaité faire un film consacré tout ce temps au pic noir? Vous êtes tombé amoureux de cet oiseau? Absolument. Je peux même parler de coup de foudre. Je connaissais absolument pas le pic noir et j'ai été émerveillé par son attitude dans la forêt, sa capacité à creuser, par tout le travail qu'il fournit pour se nourrir, pour creuser. Et par sa discrétion et ses chants bien particuliers. Donc je suis tombé amoureux et depuis 2005, je suis ce qui se passe sur les pics noirs dans la forêt du Rouvray. Et vous, à l'Office national des forêts, il a un statut particulier, cet oiseau? Il est dans une catégorie particulière? Alors effectivement, le pic noir fait partie des espèces qu'on appelle inscrites à l'annexe 2 de la directive Habitat faune-flore. Et donc c'est un élément majeur de la biodiversité de nos forêts, mais pas que, au même titre que le grand murin dans les chauves-souris, au même titre qu'un certain nombre d'espèces de ce type, qui attestent, on va dire, de la richesse en biodiversité de nos forêts. Vous pouvez nous le présenter, Richard Grège, cet oiseau? Il est d'une taille, c'est un pic, oui, il y en a beaucoup des pics. C'est un très gros oiseau qui est gros comme une corneille et qui fait partie d'une grande famille présente en Normandie. On a plusieurs espèces, donc là aujourd'hui on va parler du pic noir, mais dans ces mêmes forêts on va avoir le pic mare, le pic épêche, le pic vert, le pic épêchette. Alors, ils ne seront pas forcément au même endroit, tous ces oiseaux-là, mais voilà les pics qu'on a en Normandie. Et on a le rarissime pic cendré aussi en Basse-Normandie. Il est arrivé il y a longtemps, cet oiseau, sur notre territoire? Alors, cet oiseau, au départ, était montagnard. Et il s'est développé et étendu sur la France depuis une cinquantaine d'années. Il y a 50 ans ou plus, il n'était pas en Normandie. Aujourd'hui, on le trouve de façon assez régulière. En même temps, il a besoin d'un très grand espace pour vivre, se nourrir. Donc, la densité reste relativement faible et discrète. Alors, c'est un oiseau qui construit son habitat donc dans l'arbre. On l'appelle la loge. Voilà, donc son bec est un véritable ciseau à bois. Et donc, avec une adaptation biologique absolument prodigieuse, hein, puisque avec son bec, il va donner des coups pour fabriquer des copeaux qu'il va extraire, et donc il va faire une loge énorme. Alors, Gérard le dira plus précisément que moi, mais ce sont vraiment des très gros trous dans lesquels il va pouvoir élever ses jeunes et puis passer la nuit. Voilà. Alors, pour la loge, par exemple, c'est 60 cm de profondeur, au moins 20 cm de diamètre à l'intérieur. Et puis l'entrée, elle fait à peu près 11 de large et 14-16 de hauteur. C'est la seule loge de pic qui a une forme ovale. Alors, il a une vie de famille, évidemment. Il se reproduit, ce pic noir. C'est bien, bien particulier. Alors on va démarrer en janvier. Le pic noir est solitaire. Mâles et femelles sont chacun de leur côté. Et puis, à partir de fin janvier, février, il y a des phases de séduction, il y a des chants d'appel, et mâles et femelles vont se chercher, se trouver, se retrouver, parce que bien souvent, c'est le même couple qui se forme. Et puis après, il va y avoir le choix d'une loge en commun. Ils vont tous les deux déterminer quelle loge va être retenue.
Et puis après, c'est la femelle va pondre. Ils vont se relayer pour couver, ils vont se relayer pour nourrir les jeunes, ils vont se relayer pour s'occuper des jeunes. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, puisque vous êtes des forêts finalement, l'arbre, il souffre pas trop de cette construction, de cette cavité en son Alors, cœur? l'arbre souffre effectivement ponctuellement à l'endroit où est creusée la cavité, mais c'est dans la partie morte de l'arbre, dans le bois mort, qui est au cœur du tronc d'arbre. Après, il est vrai que le pic attaque majoritairement des arbres qui présentent déjà des signes de faiblesse. Mais cela dit, ça reste un allié du forestier, je pense que Gérard va en parler, parce qu'effectivement, il a une alimentation exclusive à base d'insectes, ou quasi exclusive à base d'insectes, de fourmis, mais pas que, avec un certain nombre de petits coléoptères qui sont également des parasites de nos forêts. Vous pouvez justement nous donner son régime alimentaire? Alors, d'une façon très, très générale, oui, il se nourrit de fourmis, il se nourrit de larves d'insectes du bois. Et donc là, on trouve un rôle extrêmement important des pics en général et du pic noir en particulier, puisqu'ils vont débarrasser les arbres de la plupart de larves d'insectes qui vont creuser des galeries dans le bois. Donc ça permet de savoir si les arbres sont sains ou non pour le forestier, parce que ce n'est pas du tout évident de savoir au départ l'état de santé de l'arbre à un stade précoce. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai été séduit par le pic noir, parce que c'est un infirmier des arbres et donc il contribue à la bonne santé de la forêt. Et aussi, en creusant ses loges, il a besoin de plusieurs loges pour les jeunes, pour la femelle, pour le mâle. Ces loges vont servir à d'autres animaux. On pourra détailler ça tout à l'heure. Et donc, il contribue très fortement à l'accueil de biodiversité dans la forêt. Quels sont ses prédateurs? Tu y vas, Alors les Richard? prédateurs, il a des prédateurs aériens et terrestres. Alors les prédateurs aériens, c'est lorsqu'il est en vol, il va se faire éventuellement attaquer par l'autour des palombes. C'est un oiseau qui est très rare, mais voilà, il y en a quelques couples en Normandie. Ça ressemble un peu à une buse pour ceux qui connaissent pas. Et puis lorsqu'il est dans sa loge, les jeunes peuvent se faire tuer par prédater, donc en l'occurrence par la martre, qui est Ça ressemble à Comme une une fouine, sorte de hein, fouine, voilà, c'est la fouine de la forêt, adaptée à la forêt. qui est complètement adaptée à la forêt, et le pic noir peut éventuellement se faire déloger par la martre et prédater les jeunes, quoi, voilà. Alors, ça fait l'objet d'un film qu'on verra, je le disais, sur la chaîne Normande, qu'on verra aussi sur des expositions, une exposition itinérante. Est-ce que vous pouvez nous donner les prochaines dates, Gérard, où on pourra voir cette Oui, exposition? tout à fait. Début avril, elle va être présente aux Journées du développement durable organisées par la MJC d'Elbeuf. Donc ce sera à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Ça, c'est début avril. Du 1er mai au 31 août, l'exposition sera à la Maison des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray. J'ouvre une petite parenthèse. La métropole de Rouen, la région, le département. Et l'État ont financé à la fois le film sur le pic noir et cette exposition sur les pics normands et français. Et cette exposition a également eu un soutien, une validation par l'Office national des forêts. Donc nous avons travaillé avec François et aussi avec la LPO Normandie qui a également validé les contenus parce qu'au départ, je ne suis pas un spécialiste des oiseaux. Voilà. Combien de temps ça vous a pris pour faire ce film? Ah, alors le film, il a été tourné de 2005 à 2018 inclus. En 2018, j'ai eu la chance de pouvoir filmer chacun des premiers envols des quatre jeunes d'une loge que je suivais très, très régulièrement. J'ai suivi deux loges dans celle-là. Il y a quelques images qui viennent des Vosges, hein, je crois, dans Oui, ce tout film. à fait. Il y a un ami photographe, j'ai fait appel à lui, je ne le connaissais pas au départ, qui photographie et qui, par chance, a filmé le pic noir, en particulier des séquences extrêmement rares d'accouplement de pic noir. Et donc, pour cette expo, je voulais que l'expo soit très illustrée, très concrète. Et donc, j'ai cherché des photos, des photographes. Et il y a 14 photographes, plus moi-même, qui avons apporté nos œuvres photographiques pour que cette exposition soit extrêmement concrète.
en tant qu'associatif qui est pour la protection de la biodiversité, des oiseaux, tous ces photographes qui viennent finalement quelque part déranger ces oiseaux. Comment vous regardez ça? Voilà. Alors je félicite Gérard pour son travail de photographe, parce que c'est un photographe extrêmement respectueux de la biodiversité des oiseaux, parce qu'ils sont extrêmement sensibles au dérangement, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. Et donc quand on est photographe, il faut faire extrêmement attention, et merci à lui parce que je sais qu'il le fait, mais il y a certains photographes qui ne sont pas respectueux, qui vont couper une herbe devant le nid parce que ça ne fait pas beau sur la photo, mais justement s'il y a une herbe devant le nid, c'est pour cacher le nid. Donc quand on est un photographe amoureux de la nature, on ne touche à rien et on fait très attention à ne pas se faire envoler les oiseaux. Voilà, donc il y a des photographes très célèbres en France qui ont posé des problèmes et qui ont fait échouer des couvées. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Vous avez le même propos, finalement, au niveau de l'Office national des forêts? Comment vous regardez, ces photographes, ces vidéastes qui font des observations? Concernant Gérard, c'est une collaboration de longue date à l'époque où il travaillait sur l'environnement à la commune de Grand Couronne. Mais effectivement, cela peut être une difficulté récurrente avec certains amateurs de nature à travers un usage qui est inconsidéré et qui ne pense pas justement au respect aux conséquences et à la déontologie. Il n'y a pas d'autorisation à demander. Alors, dans les forêts domaniales, qui sont des forêts privées de l'État, confiées pour la gestion à l'ONF, on imagine bien qu'il y a effectivement normalement une autorisation à demander au propriétaire, en l'occurrence à l'ONF, pour réaliser des images, pour mener des actions aussi bien de suivi que d'amélioration des connaissances. Et ça se fait généralement en très bons termes. Quand Gérard Pontigny nous l'a proposé, on était tout à fait d'accord. Il a porté un regard à la fois neuf et puis une disponibilité que nous n'avons pas forcément au quotidien dans nos actions de gestion. Mais là, effectivement, on demande aux gens d'être très attentifs, surtout sur des espèces comme celle-ci qui ont un statut réglementé, le dérangement du pic noir est répréhensible, et sur des espèces pour lesquelles le dérangement des nichés a de lourdes conséquences, effectivement, avec le risque de les faire avorter. Alors il y a un autre sujet hein, qui est souvent abordé lorsqu'on parle de nature, c'est la question du réchauffement climatique qu'on ressent, hein, même s'il faut le regarder sur une très très longue échelle, on a quand même le sentiment visible que ce réchauffement climatique s'installe chez nous, notamment en Normandie. Est-ce que ça va avoir des conséquences par exemple sur cet oiseau? Oui, tout à fait, j'emploierais même le terme de dérèglement climatique avant tout, puisqu'on a des étés qui sont extrêmement chauds maintenant en Normandie et de façon de plus en plus fréquentes. Et donc ces étés extrêmement chauds font ce qu'on appelle un stress hydrique, et tu nous le diras mieux que moi, donc font souffrir les arbres. Et donc à court terme, sous quelques décennies, nos forêts normandes de hêtraies sont très probablement menacées à court terme. Et donc si ces hêtraies disparaissent à cause du réchauffement climatique, le pic noir disparaîtra par la même occasion, ainsi que plein d'autres essences. Donc ce réchauffement climatique pose des gros problèmes pour la biodiversité, en Normandie notamment. Quoi. Vous parliez tout à l'heure que justement pour que ces oiseaux soient à peu près tranquilles, il arrivait parfois que vous mettiez finalement en interdiction de circulation certaines zones ou en interdiction de coupe, par exemple, parler de la parcelle 114, c'est bien ça? Alors tout à fait, c'est la parcelle qu'a suivi Gérard sur ces fameuses nichées de pic noir. Et elles ont fait l'objet, à travers un certain nombre de visites d'ordre technique, puisque ce sont des parcelles qui étaient prévues de passer en coupe dans un proche avenir, dans le cadre du document de gestion contractuelle, l'aménagement forestier. Et le choix a été fait, effectivement, de suspendre ces coupes temporairement dans un premier temps, afin de réfléchir, dans le cadre de l'élaboration du prochain aménagement, à un placement de ces parcelles dans ce qu'on appelle des îlots de vieux bois, îlots de ce qu'on appelle de sénescence pour laisser mourir les arbres de leur belle mort, ou îlots de vieillissement pour leur permettre d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue, ce qui sont des mesures, ce qu'on sait maintenant très, très clairement, extrêmement favorable au maintien d'une certaine forme de biodiversité. C'est-à-dire qu'on a un bon niveau de biodiversité dans les forêts, mais certaines espèces, et le pic noir est de celles-là, ont besoin de parcelles avec beaucoup de vieux et de gros arbres. Avec un fonctionnement complètement naturel, où l'intervention humaine est la plus faible possible, c'est ça? C'est exactement ça. C'est quelle surface à peu près en hectares?
Sur cette parcelle-là, oui, par exemple. Alors là, vous, c'est difficile. C'est une, généralement, ces parcelles de ce secteur-là sont des parcelles qui font, on va dire, une dizaine d'hectares à peu près, suivant leur forme. Mmh. Mais ces fameux îlots de, qu'on conserve en vieillissement peuvent être de quelques hectares à quelques dizaines d'hectares, on va dire. Mmh. Alors pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on connaisse un peu vos associations, vos organismes. On va commencer peut-être par Gérard. Donc, Étiquetoc, c'est quoi alors? Alors, Étiquetoc, c'est une association créée tout début 2010. L'idée est la sensibilisation, l'information, la connaissance du monde animal. Et le maître mot au niveau de l'association, c'est sensibiliser par la beauté. Nous ne souhaitons pas culpabiliser, à l'inverse, nous souhaitons toucher au niveau affectif et rendre le public un peu admiratif, émerveillé et touché par la beauté des comportements. Par exemple, c'est le cas dans le film « La forêt du Rouvray à cœur ouvert » qui montre différents animaux dans leur comportement quotidien. Et là, pour le film « Le Pic Noir », c'est être touché par tout le travail et par toute cette vie que l'on ne voit pas si on n'est pas en permanence sur place, quoi. C'est vraiment un investissement. Et donc là, c'est un document, entre guillemets, maintenant accessible au public pour découvrir comment le Pic Noir vit. Donc aimer pour mieux protéger, finalement. Voilà. La LPO, vous pouvez nous rappeler un petit peu l'objet de voilà. Votre association. Donc la LPO, c'est une vieille association, hein, puisqu'elle date de 1912. Donc nous sommes 50 000 adhérents en France, 1719 en Normandie. Donc nous avons trois pôles d'activité, étudier, connaître et protéger. Donc on fait plein de sorties nature, on fait de l'éducation à l'environnement, on protège des oiseaux, les busards, les hirondelles. Voilà, partout en Normandie. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut vous aider quand on est un particulier, qu'on aime la nature? Alors, quand on aime la nature, on a raison d'abord, parce que c'est bon pour la santé. C'est, voilà, c'est un antidépresseur. Moi, le soir, je ressors dehors et puis j'écoute les oiseaux, les chouettes santé, les chouettes chanter. Et je vous garantis que pour le bien-être de l'humain, si beaucoup plus de gens s'appropriaient la nature, ils auraient beaucoup moins besoin d'acheter des médicaments. Et voilà, donc là, ça c'est extrêmement important pour que les gens s'approprient ça. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil de mon idée. Participer. Pour, comment aider la LPO? Adhérer, voilà, parce que nous sommes 1700. Nous sommes 1700, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Si on veut protéger et être efficace, ce n'est pas cher du tout, c'est 23 euros, c'est déductible des impôts. Donc 1 euro par mois, franchement, je crois que beaucoup de gens peuvent se le permettre. Mmh. Et vous aurez en échange des gens adorables qui vous accompagneront, qui vous apprendront plein de choses. Et il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, il n'y a pas d'enjeu d'argent, c'est de la convivialité et c'est du bonheur. Alors l'ONF, on n'a pas de financement particulier, il n'y a pas de crowdfunding ou d'adhésion, vous êtes l'État. C'est très ponctuel, ça existe, mais c'est très ponctuel et ce n'est pas la fonctionnalité ou l'intérêt principal de l'établissement public, non. Nos fonctions sont celles de gérer les forêts publiques de l'État, des forêts domaniales donc, et des forêts des collectivités sous un statut particulier qui est le régime forestier. Donc l'ONF est le gestionnaire et le garant donc, de la bonne gestion de ces forêts à travers un certain nombre de certifications sur la qualité et sur la biodiversité. Maintenant, nous travaillons, nous, activement avec des partenariats, avec des associations comme la LPO, avec le groupe mammalogique normand, avec un certain nombre d'associations, le Conservatoire d'espaces naturels, mais aussi avec des partenaires, des collectivités surtout, et parmi les premiers d'entre elles, la métropole, avec qui nous avons beaucoup de projets sur les forêts autour de périurbaines, dans le cadre de Forêts d'exception, un label particulier. Mais si on ne veut ne retenir qu'une chose, c'est respecter les forêts, entre autres par rapport aux dépôts d'ordures, par rapport aux déchets. Nous sommes confrontés d'une manière croissante qui impacte fortement notre activité à des dépôts d'ordures. Donc c'est quand vous allez en forêt promener, c'est très bien, mais ramenez vos déchets, ne les laissez pas. Un piège, une bouteille, une canette, c'est un piège mortel pour toute une partie de la faune, les insectes bien évidemment, ça peut être plusieurs centaines de bousiers dans une canette, mais aussi les mammifères, les micro-mammifères, souris, mulots, campagnols, etc., qui se laissent piéger à l'intérieur des bouteilles. Donc c'est important, il y a des études là-dessus qui commencent à montrer l'impact, mais donc c'est on important. Laisse rien, on se promène en forêt, on est respectueux des animaux et de la faune, de la flore, et on ne laisse aucun déchet.
Et on la laisse exactement dans l'état dans lequel on aimerait la trouver. D'ailleurs, il y a une journée particulière, le 24 mars, Forêt propre. Voilà, Forêt propre, encore une preuve de du partenariat avec la métropole. Forêt propre, c'est une opération de ramassage de déchets au niveau des forêts périurbaines, dans les trois massifs. On retrouve tous sur le site, je pense, de l'ONF et de la métropole, et pour les rendez-vous. Et c'est une opération sur laquelle, encadrée, accompagnée par la métropole et l'ONF, sur laquelle on propose de participer au ramassage des déchets et à l'analyse qui est faite derrière, justement, du contenu de ces bouteilles et de ces canettes. Une autre opération un petit peu dans le même genre atypique, c'est un atlas de la biodiversité des communes qui est actuellement mené dans le nord du département avec la collectivité sur la vallée de Lierre, de participation à des inventaires de la biodiversité pour les habitants, pour les scolaires. Donc voilà, c'est encore un exemple sur lequel on essaye de s'imager. Gérard, pour terminer, de manière très courte, si on veut voir cette exposition, on trouve les dates et les lieux où ? Alors, sur le site internet de l'association, etiquetoc.com, je suppose que ce sera... On pourrait l'indiquer. Et puis je rajoute aussi, j'ai oublié, l'exposition va aller à l'association Le Chêne qui s'occupe de soins aux animaux, qui est également une activité extrêmement importante, de la mi-octobre à fin novembre. Voilà, pour des dates sur cette année. Très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé de ce pic noir de Normandie. Merci à tous. Et puis, quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Normande. Au revoir.